On s'est trouvé un nouveau petit spot là dans les gorges du Tarn. Très sauvage, il y a des hérons, des petits cols verts. Donc on va se refaire un petit bivouac ce soir. Demain on repart très tôt pour une nouvelle rando. On part sur une rando de 30 km et 1300 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quand même une belle marche qui nous attend. Sentier du bout du monde. Allez, ça part. Alors, on est pas beau là, hein? Une beauté là. Nous passons à Saint-Marcellin, un mot perché au sommet des gorges, semi-troglodyte avec des habitations donc qui sont construites à même la roche. C'est un lieu qui habitait depuis le néolithique avec les premiers hommes qui s'abritaient dans les appentis rocheux. C'est vraiment atypique, hein. J'ai jamais vu ça. Il a un grand rapace encore là-bas. Là, en face, tout droit. Tu vois, putain, il est énorme. Et là, les vautours, mais ils se la régalent. C'est magnifique, putain. Je suis outré du niveau de beauté qui s'offre à nous, là. Ça, ce sont des chenilles processionnaires, hein, qui tiennent leur nom, bah, on le voit bien, qui se déplacent en procession là. Et alors ça, faut vraiment faire attention, enfin, elles sont recouvertes de poils urticants. C'est une espèce invasive, c'est hyper urticant, ça se met partout, c'est une saloperie. Petite astuce, quand ça tabasse, qu'il fait bien chaud, et qu'on n'a pas de casquette, pas de chapeau, on n'hésite pas à enlever le t-shirt, et on se le fout sur la tête à l'égyptienne. Hop, ça cache les oreilles, la nuque, Le haut du crâne, avec un maximum de plaisir et en toute sécurité. Là, il y a de la chenille, un tabarnak là, partout là. Putain! On s'apprête donc à rejoindre le roc de l'Agude avec une vue panoramique sur les gorges du Tarn. En termes de paysage, c'est spectaculaire. C'est là au roc de la Gude que se termine cette régalade. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste un clic. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle régalade. Allez, ciao !